Alors, donc, on se retrouve sur Ark Survival, toujours avec Droppy, alias Arnaud. J'ai cru que c'était un genre de mes mobs qui s'appelle Droppy, mais non, en fait, c'est moi. C'est toi. Alors, pour faire le résumé, on a pas mal avancé sans vous, comme on vous l'avait dit, bien sûr. Alors, je suis en train de crafter des narcotiques tranquillou dans le Moltaran Place, là. C'est bien celui-là qui est mort, c'était celui qui avait le moins de stats. Ouais, c'était Speculos. Ouais, c'était de la merde. Donc, vous voyez que la maison a un petit peu avancé, mais rien de bien exceptionnel. Ensuite, on a été pas mal tame. Arnaud a perdu un de ses dilos, malheureusement. Moi, j'ai toujours les deux dilos tout pourris là, mais vous allez voir, ça va changer. J'ai tame plein de raptors, en fait. J'ai dû en tame... J'ai compté, je crois que je suis pas loin des 10. Et ouais, 10 raptors. Mais en fait, il y en a 3. Il en reste plus que 3. Parce qu'à chaque fois, il meurt. Parce que je suis mauvais. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont des noms pas du tout équivoques. C'est pas du tout pour faire de la pub. Non. Non. Ah, voilà. C'est pas vrai, hein, d'équiper vidéo. Arnaud s'est bien embêté parce qu'en fait, les herbivores, je crois que ça prend masse temps à. Enfin, ouais, c'est... j'ai mis 3 quarts d'heure, ouais, voilà, un herbivore, c'est beaucoup plus long qu'un carnivore. Il a time ça, alors ça, en fait, c'est. Moche. C'est Michou. Mais c'est Michou, et on aime bien Michou. Et en fait, ouais, il peut endormir des animaux. Voilà, en frappant avec sa tête, ce qui est magnifique. Et du coup, j'augmente que sa life. Comme si tu pas. Voilà. De surplus, je voulais l'expliquer un peu. Je pense qu'on voit la chose de la même manière avec Arnaud. Niveau des animaux, en fait, on a chacun un peu les siens, même si on peut utiliser ceux des autres. Enfin, en fait, ça dépend. Il y a genre les animaux qu'on peut monter, genre un raptor, il est personnel à la personne. Par contre, genre ouais, un ankylo, un bronto et tout, c'est pour tout le monde, quoi. Enfin, en fait, les animaux, comment dire, utiles aux farms, c'est à tout le monde. Voilà. Les animaux d'attaque, c'est personnel. Voilà, même si ça n'empêche qu'on peut se les prêter, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est juste qu'en fait, genre, par exemple, si mon raptor, j'ai envie de m'éclater à lui augmenter à mort sa vie, mais pas du tout le reste, ou quoi que ce soit, bah ça n'intéresse que moi et pas forcément Arnaud. Donc voilà. Donc de surplus, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ok, vas-y, parle. Ouais, après, je te laisse, promis. Comme j'ai 3 raptors et que Arnaud n'a que 2 dilos et un truc tout chelou, je lui donne, je te file mes 2 dilos, comme ça... Ouais. Tu les mets en meute, ce sera plus pratique, donc prends-les aussi, prends-les pour toi, tu les mets level up comme tu veux. Donc tu me disais. Ouais, du coup, que genre les herbivores, genre Michel, bah, on s'est mis d'accord. C'est plus moi qui ai imposé qu'en fait on augmente que sa vie. Ouais, voilà. Et en fait, normalement il est à tout le monde, mais c'est Arnaud qui s'en occupe, quoi. Et que genre, bah, les animaux qui vont plus aller chercher des ressources, bah, on s'est mis d'accord que, enfin, on va augmenter que son poids, quoi. Ouais, ouais, voilà, son poids et peut-être sa vitesse de déplacement. Quoi. Non. Et peut-être sa vie, mais c'est, oui, voilà, en grande partie. Mais, oui, non, pour Michou, ce sera que la life, sinon, il sert plus à rien. Et la vie. En fait, non, ouais, Michou, c'est la vie. Ouais. Donc, il y a les narcos de fait. Michou, c'est la vie. Oui! De plus, on a pas mal de matos. Pour info, moi je suis level 18 quand même, parce que j'ai pas mal joué sans armure tout à l'heure en fait. On a plein de fibres, on a plein de peau, on a pas mal d'affaires. J'ai même des chaussures en peau, je les ai récoltées sur un mob. Ils les avaient pas au pied. Hein. Mais c'est chelou, j'ai l'impression que mon jeu il est... Ou alors t'as beaucoup déforesté en fait par ici. Non, c'est pas moi. Mais moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a plus d'armes. Ouais, j'ai l'impression que je sais pas, le jeu il a changé de texture. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'on est au niveau du marécage, parce que oui, depuis, il y a eu de sacrées mises à jour. Alors en haut à gauche de la map, on le voit vite fait, c'est enneigé, et vers là où on est, vous allez le voir un peu plus tard, il y a des marécages. Donc je pense que ça a peut-être changé un peu comment il y a du bois. Alors, on va en venir au truc intéressant, maintenant que je suis level 15. J'ai déjà un arc, même si je l'ai pas encore appris, parce que je l'ai récolté sur un animal, ouais, un animal, sur un spino, plus exactement, que je n'ai pas tué vraiment moi-même, il s'est un peu suicidé tout seul. Il y a même 2 qui sont morts, non? Oui, 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 mais le premier il est mort et j'ai rien pu faire. On a posé une chaise aussi, je me suis... En fait, ils savent pas c'est quoi un spino. Oh, en fait, vous voyez un lézard, vous le mettez à la taille d'un T-Rex. C'est ça, tout à fait, c'est ça. Avec une grosse corne dans le dos. C'est ça. Donc, moi, je vais apprendre l'arc, les flèches, le bateau et la selle de raptor. Voilà. Et il reste 2 habits, mais je vais pas les apprendre, c'est Arnaud qui va s'en occuper. Théoriquement.
Yes. Alors, je vais me crafter vite fait la selle de Raptor. Enfin, non, peut-être en priorité le bateau, non. Ouais. Alors, il Pourquoi on faut. On n'emmène a pas su. les animaux? De quoi? On les emmènera plus tard, les Oui, animaux, on par les contre. emmènera plus tard, je pense. Il faut masse bois. Il faut 125 ou 120, je sais plus. Ok. Alors, j'ai un petit peu de nourriture, moi. Je sais pas si t'en as. Au pire, pêche Euh, du poisson. Enfin, tue du poisson euh... pendant que je fais la bateau, si Ouais. tu veux. J'en fais. Je vais faire la selle en même temps, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est vachement sympathique, le raptor, hein, pour se balader. Faudra qu'on aille en tame. Bien évidemment, comme on tame pas avec vous. Sinon. C'est horrible. Alors aujourd'hui, 3 heures de vidéo, on va tame un stego. On va bien s'amuser, hein. Donc voilà. Mais il n'y a rien de bien exceptionnel de toute manière, à part qu'Arnaud s'est fait chier pendant 3 quarts d'heure sur un pauvre herbivore tout pourri, Ouais. qui s'appelle désormais Michou, Michou, qu'on a exactement. failli perdre 2-3 fois. Mais bon. Ah bon? Oui, il y a une ou deux fois, il a failli crever. Il y a même une fois, tu l'as perdu. Ah oui, Parce qu'en oui, fait, non, il avait je pas m'étais suivi, il entraîné. était resté à la base, ce débile. Donc, on avait failli le perdre, le pauvre Michou. C'est pas gênant. Moi, je suis en train de déforester, de dépoissonner, voilà, la rivière en fait, des poissons. Il détruit l'écologie. Je prends un peu de bouffe, hein, Du coup, dans la les forêt. piranhas vont tous mourir. Ah mince, le bateau, il est tellement lourd que je suis encombré, quoi. Ah, j'ai level up en... Putain, mais sérieux, j'étais au bas de mon level 18. Bon, bah écoute, j'ai encore level... J'ai 200 points de vie. Donc normalement, là, je suis level 19, ouais. Et je suis tellement lourd que je peux pas me déplacer. À l'autre côté, il pèse 85, le bateau. Ah oui. Tu m'étonnes. Bien sûr, je vais poser ma selle sur mon raptor le plus badass. Hein. On va pas se gêner. On a 90 viande pas bonne. Ah putain. Abusé. T'as le poisson de faire le tug, il m'a cassé ma lance. Ah ouais, quand même. T'es où? T'es où? Là. Coucou! En fait, je suis même plus étonné, je suis habitué Mais maintenant. bon, la toute première fois, quelle est la tête qu'on faisait quand on a vu ça quand même. Ouais. C'était incroyable, hein. Mais c'est vrai que Puis là, en fait, maintenant, c'est en plus fait, exceptionnel ouais, que ça. on a déjà fait plus badass, tu vois. Le Ouais, t'as stego, il est caractère, Arnaud. impressionnant. Impressionnant. Ouais, j'avoue. Bon, et il est quand même. Ça, par contre, c'est l'une des premières fois qu'on a autant. Il est quand même level 37, mon rappeur. Parce que je l'ai chopé au level. Par contre, comme je ne suis pas fou, je vais récupérer la selle. Et le kitchen, tiens. Et la peau. La viande pas bonne. En fait, je récupère tout ce qu'il a, le pauvre vieux. Parce que. Pauvre au poivre. Il y en a quand même un d'Arnaud qui s'est fait tuer alors que j'étais parti loin. En fait, à un moment, je reviens vers la base et je vois qu'il meurt. Enfin, je vois. Oh, le truc est mort. Et j'ai été découvert son cadavre. Découvrir, pas découvert. Oui. C'est pas grave. Tu n'as rien entendu. On se refera des armoires plus tard, tu sais, des armoires perso où on stocke nos trucs. Ouais. C'était bien pratique ça quand même. En fait, on joue d'une manière où on partage tout, mais en même temps pas tout. C'est ça. Et au final, ça marche très bien. Hein, Ah ouais. Ah tiens, t'as le raptor, bah y a un truc blanc. Ah ouais? Bah je vais y aller. Je pose le bateau. Ah ouais, mais attends, il est super loin là. Non, il est à côté. Ouais, avec un petit spino entre les deux. Ouais? Ah mais je t'allais y aller en raptor? Ah mais Oui, tiens, oui. Viens, je vais poser le bateau. Qu'on ouais, je suis regarde. là. Mais il y a toute la bouffe qui est en train de cuire. Ouais. Je crois que j'en ai une Hop! trentaine ou quarante. Oh putain, mais il est badass en fait. Ouais, et tu Mais peux c'est construire petit. dessus, t'imagines? On ira l'utiliser après, je vais déjà essayer d'aller Tu chercher crois le qu'il va truc. passer dans tous les endroits de la rivière? Je crois qu'il y a des moments où ils sont petits les endroits. Ouais, mais on va bien voir. On s'est laissé. De toute manière, vu les spinos, j'ai vu masse de spinos, donc on est obligé de passer par ça. Hein. Si Donc. possible, genre si on trouve truc définitif d'être proche d'une montagne quand même. Oui, bah ouais, pour la Proche ferraille. mais pas trop. Faites comme la distance qu'on avait à l'ancienne Ouais, base. genre en aigle, t'y vas très rapidement, mais en même Ouais, temps. d'y aller en un seul coup, quoi, sans se poser. Hein. Ouais, voilà. Moi, je devais me poser. Avec le pteranodon, moi aussi. Même avec l'aigle, en Plein fait, milieu c'était de route. limite quoi. T'arrivais en Ouais. bas de la montagne. C'est ça. Je nage. Enfin, en fait, mon raptor est cool, mais bon. Ouais. Ah, le truc, c'est que je vois rien. C'est que Là, si il je tombe pleut. sur un mob dangereux, je sais pas. C'est pas grave du Il y coup. a encore le laser? Ouais. Parce que je le vois pas en fait. Moi je le vois.
Ici, là, je te vois te balader. En fait, je tente de tuer un dilo, mais je suis tellement mauvais une fois ça, sur un raptor. Tu galères. Ouais, c'est trop ça. En fait, on est grave mauvais sur un raptor. Voilà, autant laisser le raptor le faire tout seul, il le fait trois fois mieux que lui. Voilà, le raptor qui gère trois fois plus que moi. Donc tu vois encore le laser blanc, parce que moi je le vois pas en fait. Ouais, je le vois. Je vais essayer de revenir. C'est temps de le voir. Mais le blanc, je sais plus c'est quel level. C'est tous les levels, ou alors level 3. Le vert ou... Je crois que c'est le vert ou bleu, c'est level 15. C'est le vert qu'on peut prendre en premier. Ah ouais, bah je sais plus, mais il y en a un, c'est level 15, donc on... Bah attends, ici je vois que des verts, donc ça peut que être ça. Ouais, bah parce qu'un coup je suis tombé dessus et ça me disait level 15. Donc je vais tenter d'y aller. Alors je sais, on voit pas grand chose sur la vidéo, moi non plus je vois rien, je vous rassure. Même moi je te vois, tu vois. Oui, parce que là j'ai ma torche, c'est pour ça que tu me vois aussi. C'est ça. Ah ça va, ouais, il est vraiment tout près. Enfin tout près. C'est vrai qu'à pied ça aurait été un peu chiant, mais en raptor ça va. Alors, ouais, c'est un qui change de couleur, hein. Donc ça va être de la merde, mais c'est pas grave. Faut le dire, hein, c'est de la merde. Hein. Oui, mais bon. Qu'est-ce que j'ai? Une selle de Fiomia. Oh, génial! Trop bien, on va pouvoir monter sur le truc qui va pas vite et qui a un sac à bouffe. Trop bien. Ah ouais, là il fait nuit. Tu prendras, il restera 10 bouffes dans les trucs. Ah ok. Ouais, ça va. Donc ouais, on va aller explorer à pied, parce que sinon... Moi bah, j'ai 32 flèches et un arc, ça va. Je crois que là c'est le plus court pour passer, hop. Vous avez vu, hein, le raptor c'est quand même super pratique, hein, quand on l'a enfin. Et vous avez pas encore vu le tigre? Oh, je crois, il semblerait que le loup ce soit peut-être encore mieux que le tigre. Plus badass, putain. Ouais. Attends, il y a peut-être moyen que je fasse un truc. On va regarder. Oh mince, regarde, ça passe pas. Oh, je suis bug. Dans la porte? Ouais. En fait, il passe pas. En fait, pour ça, on aurait jamais réussi à les faire rentrer. Hein. Mm. On aurait pu galérer autant qu'on veut. Ok, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fout? J'ai vu ça. J'étais en train de me dire, ouais, tu fais quoi là? Donc, je vais laisser la selle, j'ai la flemme de lui enlever. Le truc, c'est qu'on va peut-être pas partir quand il fait nuit, parce qu'on risque de pas voir. Non, mais chose. Attends, il est quelle heure? 22h. Ah putain. Il reste. Ouais, je prends les 10, c'est ce que tu m'avais dit. Ah ouais, tout. Je vais peut-être. Du coup, dans 10 minutes, il fait jour. 10 minutes? Ouais. Ok. Je pose un peu tout. Moi, j'emmène un tout petit peu de tout. C'est un tout petit peu de bois, un tout petit peu de flint, un tout petit peu de ça. Je vais emmener un tout petit peu de pierre. Ah ouais, j'avoue, moi j'ai poids zéro là. On commence parce que là, en fait, on va faire un grand trajet dans l'océan, donc autant partir dès maintenant. Ouais. De nuit, ce sera plus pratique. Ouais. On vous prend pas. Attends, je me reprends juste un peu de bois pour faire mes lances. No problem. Ah mais attends, il y a plus d'arbres ici. Ah c'est des petits. C'est bon, je conduis le bateau, je suis dessus. Et je peux mettre la torche, OP. Je crois que normalement tu peux pas le bloquer sur le sol, hein, le bateau, avec de la chance. Avec de la chance. Parce que comme nous on a beaucoup de chance. Je l'avoue. Et il fait de la fumée en plus. Ou alors c'est de l'eau très mal faite. C'est de l'eau très mal faite, on est d'accord. Je pense qu'avec les textures au maximum, elle est jolie. Je suis en train de construire donc je peux pas monter, voilà. Hop. Oh tapette, tu fais quoi? je me suis rapproché. Est-ce que je peux remonter ou je dois sauter dessus? Non, tu dois sauter. Mais okay. Plus tard, quand tu auras les chaises, tu pourras t'asseoir. Voilà, ouais. Nickel. Et ah, est-ce que pas la marche arrière? Mais normalement, il peut tourner même sur le sol. Ah, tu vois, voilà, le sol okay. Me bloque, donc c'est nickel, il peut pas se bloquer. Là. Par contre, je suis en vue extérieure, parce qu'en vue intérieure, je vois pas grand yak. Ah, j'avoue, moi je vois que dalle là. Par contre, il faut surtout pas aller dans le creux là, parce qu'en fait, c'est un cul-de-sac. C'est à droite là. Ah oui, oui, c'est un cul-de-sac. Ouais, et sinon, il y a tout à la droite de la map, tu sais, il y avait une grotte qu'on avait défaire, c'est la grotte de lave. Tu sais, sur la petite pointe, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Ouais, je vois. C'est la grotte de lave. Tout à gauche de la map, tu veux dire. Non, tout à droite, en bas à droite de la map. Ah oui. Moi, je veux. Tu sais, on avait galéré à trouver l'entrée. Je venais de tourner la carte à 90, tu vois, c'est vers ma gauche dans ma tête. Bah, par rapport à comment on les positionnait le bateau, là, oui, c'est à notre gauche. Mais sur la map, c'est à droite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ouais, franchement, on a du cul parce qu'il va vite, hein. Ouais, ça va, c'est assez rapide. Mine de rien, on a bien fait de le prendre. Puis, à mon avis, pour aller dans les caves sous-marines, c'est le bonheur.
Surtout que tu peux construire dessus. Hein. Donc t'es quand même vachement bien. Du coup, tu sais, genre, tu mets une torche, Ouais. une standing torche, comme ça, tu la retrouves même sous l'eau. Ouais, puis tu peux poser plein de trucs et tout. Dessus, tu peux poser des affaires, tu peux plonger, tu peux en venir. En plus, avec les tenues de plongée maintenant. Enfin, c'est nickel, quoi. Je crois que dans les caves sous-marines, il n'y a pas grand. C'est juste un trou, en fait. J'en ai déjà vu, c'est pas très grand et c'est difficile d'accès. Mais il n'y a pas de. C'est d'énormes galeries et tout. Ah. Bon, on va quand même pas très très vite, hein. On peut Ça passer va, là, parce qu'en fait, je c'est. vois rien. Je sais pas, moi je vois nuit. Ouais, on peut passer. Mais en Au fait, comme je vois pire, tu rien. sais, moi j'allume ma torche tout le temps. Hein. Ah oui, on verra encore mieux. Bah, je l'allume peut-être pas la Ouais, peine, ça j'avoue. avance tout droit. Ouais, parce qu'en fait, comme je vois pas tout. Tu sais, Alors, en par fait, il y a contre, la foutue voile, quoi. la terre est basse, par contre, hein. Je crois il y a 30 cm d'eau. Ouais, on passe vraiment short. Et en vue intérieure, là, c'est le pire. Je ne vois que sur les côtés. J'ai trop l'impression que tu vas tomber. Oui, moi aussi, t'inquiète Mais le jeu est pas. bien fait, hein, quand même, si tu tombes pas. Enfin, bien fait dans le sens où les collisions d'objets en mouvement sont bien faites. Après, niveau logique, quand t'es sur le bord d'un bateau qui flotte et que toi. Attends, là, ouais, passe à droite. À droite? Ok. Je sais pas, au milieu ça paraissait Attends, je serré. Bah non, tourne le ça passe. bateau Non, pour ça pouvoir passe au milieu, regarder. en Est-ce fait. que je peux? Oui, ça passe largement, vas-y, À passe. droite? T'es sûr? Non, là, au milieu ça passait, hein, au pire. Mais là, au milieu, Parce il y a un que. rocher. Ah ouais, donc passe à droite. À droite ou à gauche? À droite. Non, mais à droite ça passe, si. J'ai Si l'impression. tu. On va voir le rocher tout à l'heure. Si Si ça t'imaginais le passe. bordel que c'est, moi, parce qu'il tourne super mal et je vois rien. Il peut tourner en même temps que t'avances. Ah oui, mais il peut que ça en fait. Si j'avance pas, il tourne pas. Ah merde. C'est ça le problème. Non, oui, il tourne quand j'avance, mais si j'avance pas, il tourne pas. Et là, on voit l'obélisque de la montagne enneigée. Tu le vois pas? Oh, Attends, attends. j'ai la tête. Ouh. Attends, ça frise. Ouais, non, mais la même. Tu le vois pas, l'obélisque à Spino devant, gauche? Spino droit devant. Sauf Dans que l'eau. j'ai pas de marche arrière et puis il y a des rochers. On fait quoi? On passe par la mer et on prend la rivière en haut. T'es drôle, toi. Quoi? T'es une tempête ou pas? Ouais, mais ça voudrait dire qu'on peut pas aller dans ton 45-50. Non, mais moi je dis on irait en 30-50. Mais en fait, on veut aller là, mais on sait pas ce qu'il y a, hein. Oui, je sais. Et alors, ça s'appelle ça l'exploration? Mec, on va passer 2 heures à explorer. On va rien C'est pas trouver. grave. Mais on peut pas passer à côté du Eh, Spino, hey, y tu a un penses? arbre, attends, je vais le couper. Vas-y. Et tu penses pas? Tu penses que le Spino, on peut le zapper ou pas? Parce Parce qu'en fait, qu'il nous ferait faire un en fait, sacré détour. Hein. y a des rochers. On a Attends, mais l'impression c'est d'être ces Christophe rochers? Colomb, tu sais, en mode putain, on a des problèmes et tout, tu Attends, sais. je vais déjà te casser les cailloux. Ouais, moi aussi, on va les casser, et on verra pour le Spino après. Pire, il y en a Puis un qui se dévoue. on peut attendre un peu et puis j'y vais se barrer. Bah, en fait, alors, j'ai remarqué, le Spino, il est aussi con que le T-Rex, mais moins badass que lui. Tu sais, il s'attaque à tout, même quand il lui reste 2 points de vie. Parce que j'en ai vu Ah. plein mourir. Ah, le truc, c'est que s'il se met sur nous, on est grave dans la merde. Bah, il va bouffer le radeau. Ouais. Bon, c'est bon, là ça passe. En fait, faudrait qu'il remonte sur la berge, comme ça on passe tout vite et il n'a même pas le temps de nous voir. J'avoue. Vas-y, nettoie bien. Allez, là, il commence à se barrer. Hein. Ouais, ce que je suis en train de. Bah, moi Putain, mais j'ai je. des gros frises ici, Ah, il est putain. parti très loin là. Ah ouais, on va essayer de passer, mais tout. Et tu sais, vachement, tu longes la berge à gauche. Ouais. Le truc, Est-ce c'est qu'on que arrive vu à comment il est remonter sur le maniable, le truc? truc. Ah putain. Attends. Viens, viens là. Hop. Viens ici. Ça a galère pour monter ça. Ouais, j'avoue. C'est bon, je vais en mettre. Attention, mon petit truc, sans Sais qu'il n'y tomber, a il pas de faut que je marche tombe à pas. rien. T'es sérieux? Attends, ne me dis pas que je l'ai bloqué. Non, c'est bon. Mais te barre pas, je suis pas dessus. Oui, mais je sais, j'y peux rien, Ah merde, attends. désolé. Putain, je suis monté sur le caillou, mon gars. Oh, le bordel. Tu C'est sais que moi, je moche. suis passé à travers le caillou. Ah, je suis passé à travers un arbre, là aussi. Tu vois le Spino? Je le vois Attends, plus. Ah, oui, si, je. je le vois. Ah putain, merde. Ah! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je suis dans l'eau. Oui, j'ai vu, mais qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas, j'ai appuyé sur la touche aller à gauche à la place de aller devant. Ah, il y a une grenouille! Ah ouais, j'ai jamais vu en vrai. Bah, vas-y, là, il y en a une droit devant. Elle fait mal les grenouilles. Aucune idée. Avec un fusil sniper, j'aurais bien essayé de la tuer, mais là. Putain, c'est beau ici. Ah, il y a un sarco aussi. Ouais, en fait, là, on est dans le grand truc, ouais, le truc vachement large. Et là, tu peux largement monter sur le bateau. Ouais.
Alors, le Sarco dans l'eau, il va très vite. Et le Spino dans l'eau, bon, il va vite partout, lui. Lui, il t'encule dans tous les cas. Mais non, le Sarco, on va le On laisse semer, hein, je pense. tranquille. Il y a des rochers, non? On passe? Ouais, Ouais, on à passe. droite ça passe, à gauche je sais pas, je suis à droite. Oui, bah ça passe des deux côtés. Alors, il Putain, est on arrive sur au deux sar... marécage! Il est sur deux sarcos. Putain, c'est quoi ces frises de merde là? Non, mec, on fait quoi? On arrive sur les marécages. C'est les marécages, hein, droit devant. Ah ouais. Ah ouais, on est dans la merde. C'est les marécages, hein. Ah, puis y a des raptors. Putain, on fait quoi? Je passe à frise. Moi, je dis, on fait demi-tour, le temps de réfléchir. Parce Et qu'on on va pas passe se par le... poser la Vas-y, on va question. passer par le... Ah, il y a un cul de mammouth. Ah ouais? Ouais. Ouais, bah, pas le temps. Moi, je dis, on réfléchit, mais on réfléchit quand on n'est pas devant un Spino et un Sarco, ok? Ouais. Non, Attends, vas-y, on c'est le quoi laisse ça? là. Adsail. Eh, t'as enlevé la voile? Ah, c'est ça que j'ai fait. Ouais. Il fonctionne encore? Ah putain, mais il fonctionne sans la voile! C'est chelou. Ouais, mais c'est bien, parce que je vois ce que je fais maintenant. Attends, ça veut dire que j'ai la voile sur moi? Non, même pas. Ah, mais c'est bien, maintenant je vois ce que je fais. Oh, le bonheur! Bon, ouais, on y va à pied. On est en combien là environ? Par contre, je vais remettre la voile histoire qu'on le voit de loin. En fait, on est vachement bas. Comme ça, on verra. Ouais, on est bas. Hein. On peut essayer d'avancer un peu plus avec le radeau. Ouais. Bah, jusqu'à l'entrée des marécages, et puis on va contourner Ouais, tout sauf qu'il par y là. aura le Spino. Et s'il s'attaque à notre. À mon avis, le radeau, on va plus le revoir. Hein. Ils vont le bouffer. Non, bah, si on n'est pas dessus, je vois pas pourquoi il le boufferait. Mais il s'attaque aux constructions dans tous les cas. Ouais. Tu vois le Spino? Non. Ah, je vois le cul de mammouth droit devant. C'est ça, je vois le cul de mammouth. Ouais, c'est les marécages. Fuck. Il y a plein de raptors. Normalement, on est en sécurité dans l'eau. Parce que je vois des pierres, je vois des grenouilles nager autour de nous. Ah non, c'est même pas un marécage de ce côté-là. C'est la forêt marécage un peu. Et de l'autre côté, tu penses, là-haut, là où il y a un sarco? On fait demi-tour Mais en fait, chelou. pourquoi... Putain, il y a un Ah! sarco! Dégage, putain, merde. Ah, mais pourquoi t'as sauté? Bah parce qu'il m'a attaqué même sur le truc. Ouais, mais là tu vas crever, Arnaud. Je sais, je suis mort. C'était intelligent d'emmener tout le stuff, hein. Par un méga piranha, je suis mort. Tu t'es fait tuer par quoi, là? T'avais quoi, pardon, sur toi? Peau et fibre. Ouais, bah c'est le moins embêtant. Je crois que, désolé, mais je crois que ton stuff s'est foutu. Oh, c'est Putain, cher. sarco! Je reste dessus. Ouais, non, reste dessus, reste dessus. Putain, puis ça freeze mon moment là. Putain, il nous bloque ce con. Bah, ça va, hein, le radeau il tient bien plus. Par contre, t'es mort? Ouais. Et là, j'arrive à le semer. Ah, mais je crois qu'il y a que toi qui l'intéresse. Je crois, ouais. T'arriverais à spawner là où on veut aller? Ouais. Parce que je vais essayer d'y aller moi. En radeau, et toi tu. Ah, putain, ouais, il va vite dans l'eau. T'as vu, c'est abusé. Wow, c'est abusé, je le vois là, il va à une vitesse. Et ouais, j'ai moyen de passer, mais à condition que le Sarco vienne pas me bouffer. Il faut que je pète les rochers, quoi, c'est ça notre problème. Bah moi j'arrive là, mais je m'arrête quand? T'essayes d'explorer un peu l'endroit, et puis dès que tu trouves un endroit sympa, tu me dis à peu près où il est, et je te rejoins. Ça marche. Parce que moi j'arrive dans longtemps en fait. T'as le temps de faire plein de choses. Mais j'arrive. Mais je Bah sais pas. t'inquiète, là, de toute manière, je suis bloqué, je dois déblayer le chemin. Il y a plein de rochers sur le chemin. Putain, je me fais attaquer par des armes fourmis, des trucs volantes là. Ah, c'est bon, en fait, un coup et Allez. elle meurt. Non, c'est bon, en fait, un coup et elle meurt. Ah, Parce putain, que ouais. tu vois genre tu vois à quoi ça ressemble à Floride? Non. Le zizi de l'Amérique. Ouais. Et bah à gauche de la map t'as ça. Ouais. Et bah moi je suis là. Ah, t'es sur l'espèce de tout mini morceau tout petit là. Voilà, le zizi de la map si tu veux. Ouais, c'est. Oui, bah oui, c'est de la map, hein. Voilà. Là, si tu veux, la Floride, c'est pareil, mais à l'inverse. Ah, Sur ok. la côte Ah, est. oui, je crois que je vois. C'est où il y a Miami Beach. Attends, je dois défoncer tous les rochers. Et en fait, tu sais que comme ça, c'est genre, c'est un endroit paradisiaque.
Parce que moi je suis sur le côté pas océan. Et tu regardes ça, et t'as genre une petite étendue d'eau, et t'as une grande ligne avec plein de palmiers et un bronto qui est là. Paradisiaque. T'as juste du sable, c'est magnifique. Bâtard. Voilà. Moi je galère à passer, ouais, je sais pas drôle. Moi j'ai les Oh, moi c'est. marécages tout pourris qui coulent. Franchement, moi c'est tranquille par où je passe. Moi j'ai les marécages tout pourris. Je croise un îlot tous les 100 km. Ah donc en fait c'est la bonne zone pour spawner quoi. Ah bah là. Bah moi c'est beau, mais de là à s'installer. Bon après moi t'as du sable mais pendant longtemps avant d'entrer dans la forêt. Par contre, moi, plus j'avance, plus il y a des obstacles casse-couilles. Par contre, oh, tu verras comment je passe. Même moi, je sais pas. Putain, il y a un Spino. Et il y a un Carnot. Je fais quoi, moi? Ah, rigole pas, je sais pas quoi faire. C'est la merde en fait. Ah ouais, c'est horrible, hein. C'est beau. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est quoi, c'est beau? Je vais taper un sprint. Je descends du bateau. Je tape un sprint. J'ai vu une plaine. C'est be belle écoute, je tape un sprint et je vais vers la plaine. C'est un peu fou, mais si elle est belle comme je pense, on va bien aimer. Et c'est sur l'île du milieu. Ok. Donc oui, il y a des mobs hostiles partout. Donc oui, les murs, il va falloir les faire. Très vite. Oh, un Carnot. Il est joli celui-là. Ouais, moi aussi j'avais un Carnot au cul. Bon, je suis mort par un Carnot. Ouais, de toute manière, tu pouvais pas faire grand-chose. Ouais. Bon bah c'est moche. Ah, il y a un lac. Je suis sur l'île du milieu et il y a un super beau lac bleu. Mais à part le lac, il n'y a rien qui est beau. En fait. Ouais, donc en fait c'est de la merde là où je suis. Putain, mais où on va? Où on va? T'as une idée d'où est-ce qu'il y a des grandes plaines jolies? Non. On était trop parti vers le... Putain, il y a un Carnot maintenant. On Au était trop pire, parti ouais. vers le centre. Hein. Je crois pour l'instant rester sur la plage, c'est une bonne idée, hein. Mais pas à la plage en bas, tu vois, plus partir où moi je suis allé à gauche parce que c'est magnifique. C'était beau. Ouais, mais en fait, j'aime bien être au milieu de la map parce que tu veux aller quelque part, c'est pas trop long, quoi. Ouais, mais du coup, si on se met à gauche, tu vois, à gauche, on remonte vers la neige, juste attends, tu sais, parce qu'on sait qu'à gauche, il n'y a pas de plage en haut à gauche. Ouais. Genre, on s'arrête au moment où il y a la frontière à la fin des plages et début des trucs. Mais tu penses que c'est joli là-haut? Bah, ouais. Moi où j'étais, c'était magnifique. Ouais, mais moi je veux Je un. sais. En fait, moi c'est ce que je voulais après. Enfin, ça dit pas que ça peut pas changer, mais j'aurais bien aimé une grande plaine pour qu'on fasse un grand enclos, tu vois. Ouais, mais je crois qu'en fait, il faut un peu plus augmenter le level. Bah pourquoi il faudra aller où? De quoi? Bah pour. Ça servira à quoi d'augmenter le level? Tu voudrais qu'on aille où? Et bah pour aller trouver une grande plaine au milieu de la map. Ah mais je dis pas qu'elle doit être totalement au milieu, mais je pensais, le plus important c'est de trouver une plaine. Au milieu, c'est secondaire. Mais moi, le long de la rivière, c'est beau aussi, hein. Ouais, mais est-ce que c'est dangereux ou Oui. pas? Voilà. Ouais, Pour moi, mais c'est pas dangereux. c'est peut-être embêtant pour maintenant, mais plus tard on sera content d'avoir des mobs à buter, tu vois. Bah oui, c'est pour ça que plus tard on déménagera vers cet Ouais, mais endroit-là. j'ai pas envie de déménager 40 fois. C'est trop chiant. Bah, là, je pense que je peux passer à côté du Spino. Il est tellement occupé à bouffer les piranhas que. Il va même pas me capiche. Ouais, genre là, je vais passer à 2 mètres d'un Spino. Ouais, sans deck, je suis en train de le faire. Là. À 2 mètres du Spino. Et il m'a pas bouffé. Il a attaqué le radeau quand même. Parce que j'ai vu que la vie clignotait, mais elle a presque pas descendu. Ouais, il m'a foutu la paix le Spino. Ouais, il me poursuit même pas, oh, il s'en fout. Ouais, un Spino, quand ça attaque, c'est comme le T-Rex, ça s'en fout. Hein.